Bonjour. Nous avons là, jeudi à vendredi, c'est week-end. Nous avons préparé là pour nous lancer le week-end. Et bien, moi, je commence là avec nous. Jeudi à c'est vendredi, qui c'est 16 juin. Et donc, nous-mêmes, nous dans la capitale, là, Washington DC, je suis avec nous que Jacqueline en vacances. Donc, monsieur, monsieur, passe une bonne vacances côté, monsieur, pour aller passer, monsieur, pour aller au côté. J'essaie d'annoncer avec Fay, Bois, Wadj, monsieur, pour aller bien. Et comme si mettez gamelle, j'ai l'un des timon, mettez gamelle, mettez l'eau à chauffer dans le soleil pour tamponner avec feuilles bois. Et bien, c'est là, je suis allé là. Donc, je suis allé venir nous encore. En attendant, moi, c'est Emma qui a remplacé. Et pendant une semaine, et puis après ça, je vais dire encore ça qu'a fait encore. On est avec Nouvelle Lyon, actualité internationale là, c'est surtout Cap de Mini avec. Et Tidje Boulé qui est toujours entre la Russie avec l'Ukraine. Bah, il y a un jambon en pour les deux. Et l'Ukraine, c'est gonflé vite, tout comme la Russie a cherché à maîtriser l'Ukraine avec quelques moitiés. Mais bah, il y a un jambon de du tout, etc. Les États-Unis continuent à battre l'Ukraine plus d'âme toujours, plus l'argent toujours, pour qu'on puisse défendre tête contre l'Ukraine. Et puis c'est visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait et en Chine. Et c'est pour la première fois où chef diplomatie américain a visité la Chine depuis 5 ans. Et ça a 5 ans. Dernière fois où chef diplomatie a visité la Chine, ça a 5 ans. Et visite ça a été faite en février passé, mais secrétaire d'État américain a été envoyé pour ça. Et après, il y a un ballon espionnage. Et t'es volé sous territoire ou bien espace aérien américain. Il y a un ballon que l'autorité chinoise a fait connaître, c'est un ballon qui était fait recherche, mais qui était censé perdre du contrôle. Il n'y a pas de perdre du contrôle et le monde qui t'a dirigé. Donc c'est un ballon qui était guidé le terrain, mais il était perdu du contrôle, ça fait que d'entrer l'espace aérien. États-Unis, mais finalement, les militaires américains étaient descendus à Paris ça et il semblait qu'ils étaient fouillés pour être connus. Et ça qui vient là-dedans. Donc, vous dites, en tout cas, les États-Unis ont minimisé toute attente que nous sommes capables d'attendre de rencontrer ça, comme si peut-être qu'un résultat est positif ou bien un breakthrough qui a gagné. Non? Et visite ça, ils disent non. Au contraire, ils pensent que visite ça a préparer le chemin pour l'autre rencontre. Et il y en a l'autre rencontre qui est censé que attendre ces possibilités où on rencontre un sommet entre le président Joe Biden avec le président chinois Xi Jinping pendant un sommet APEC qui est pour dérouler aux États-Unis. Donc c'est un objectif ça qui est possible. Et c'est ça que les deux parties ont cherché aussi d'arabe. S'il est possible d'avoir un sommet entre leader de puissance économique mondiale. Mais en passant, la visite là, bon, l'entrée dans le cadre dans sa pour entrer, bon, et la Chine dit classer les États-Unis, dit les États-Unis maintenant en l'eau, éviter suspendre le feu bouchon dans la fête qui garde nous, qui garde, qui pas garde nous, mais les États-Unis, bon, et puis traiter nous avec respect, nous traiter une pour l'autre, respect une pour l'autre. Donc ça, c'est position que la Chine fait qu'on est. Je dis à ma va parler avec nous sur le dossier ça, dans un dossier que m'a présenté dans le journal radio, sur télévision après midi. Et puis, la conférence c'est Canada qui ouvre un bureau en République dominicaine, mais son bureau pour les DPNH, pour les polices nationales d'Haïti. Et là, vous avez bureau ça avec 20 millions de dollars canadiens, qui est 13 millions de dollars US. Mais là, vous avez bureau ça, et c'est la siège de la pied. Mais les capables dans l'autre côté tout, mais c'est pour, avec objectif, c'est pour l'aider. Police nationale Haïtia, en fait, des commentaires, en fait, passer par là, sur le processus de la vie, nous gagnons tout. Et ancien premier ministre, ou bien ancien ministre des Affaires étrangères, pour l'idée parti, ou les EDA. Et docteur Claude Joseph avait la bonne conférence de presse, j'ai rencontré avec les journalistes, pour justement, il était participé dans un sommet, en fait, dans 3 jours, et CARICOM s'est organisé
surprise haïtienne en Jamaïque, et bien la propre journaliste de toute la position partie là, et sous sa pensée, bon, nous connaissons que Claude Joseph en général, depuis au début, il a dit lui-même, il voulait une solution, mais cette solution pas là, lui-même, c'est une solution sans Premier ministre Ariel Henry. Donc je dis à partir de la journée, pour ça que par bon document qui sorti et qui position par rapport à l'autre acteur, parce que l'acteur qui était là autour, il y a même ces deux groupes formés et chaque groupe proposition différente. Plus pour Ariel là. Donc c'est pas un gros bagage qui est capable de sortir, on attend comme ça. Et puis l'idée africain autour, on a dit que piste Kiev, avec un plan la peine en main pour essayer de aider à mettre fin à la guerre. Entre la Russie avec l'Ukraine, on a déjà parlé de ça dans le commencement. Et puis c'est le gros point. Et puis dans le pays d'Haïti, c'est toujours le même dossier, réaction toujours sur ce qui est passé. Et puis la douane saisit une cargaison ZAM. Alors, saisie, c'est son cargaison, mais saisie ZAM. La douane saisit on l'eau ZAM qui sortit aux États-Unis. ZAM a munitions qui sont des États-Unis de la douane saisie. Encore dossier, ça va aux gens qui nous plaît parce que pendant qu'il y a un côté d'avoir qui est sous ZAM et l'église épiscopale là, mais qu'on est avec l'autre, là, les ZAM qui vivent encore dans le pays. Donc, le dossier encore qui était pour l'ouvrir, donc il y a une enquête qui m'a demandé pour l'ouvrir pour moi. Et qui est-ce que le ZAM ça a été pour l'ouvrir, pour qui est-ce que c'était commandé, pour qui est-ce que c'était voué, donc il y a demandé à ce cas-là, concours États-Unis sous dossier ci là. Et puis Canada sanctionné et ancien sénateur Garcia Delva, ancien sénateur musicien Garcia Delva pour corruption ou bien encore pour salarié pour en tout cas par le Canada. Et puis il y a un tout ancien député, c'est Profane, monsieur le député Profane Victor. Et bien, c'est deux nouveaux listes que Canada, deux nouveaux dirigeants, et deux nouveaux officiers, anciens officiels d'Haïti. Que Canada a mis sur l'issue. C'est le ministre des Affaires étrangères Canada et Madame Jolie qui fait annonçant pendant qu'elle a participé dans un conseil des ministres, et bien, il a fait annoncer. Donc, chanteur noir, Cassa Delva, ancien sénateur, ensemble avec ancien député et Profane Victor, et bien, M. Sayo, sous sanction, Canada. Et donc, c'est ça pour continuer à marcher toujours. Et ça n'a pas gardé toujours. Et nous prenons un petit peu de sport. Je dis avant de dire aux amis, nous allons quitter un petit peu de sport. Ça va passer. Gagné dans la finale, semi-finale Ligue Champion, Ligue CONCACAF là. Et bien, gagné une équipe Mexique à travers les États-Unis. Un match beau sale, les deux côtés. En tout cas, habite là, c'est pas manqué à les 4 rouges. C'est près de 4 en rouge. Et nous pas habillé de ces 4 en jaune que le bail. Mais son match, quand même, il dit que l'équipe mexicaine devient une équipe très faible, que nous ne connaissons pas. C'est des joueurs, peut-être, l'équipe a pris forme, l'équipe a pris forme. Donc, il y a 3-0 dans les États-Unis. Les États-Unis, ils profitent de ça, ils disent 3-0. Donc, ils ont calé pour le final là. Et puis, il y a Canada qui dit même tout. Et calé Panama 2-0. 2-0. Donc finale Ligue Champion, Ligue CONCACAF là, la fête en États-Unis avec Canada. Donc finale ça fait le 18. Et puis match de consolation, les matchs de classement, la fête, la déroute pour même jouer à tout le 18 entre équipe Mexique là avec Panama. Et puis dans le match amical international, la Borétine qui concerne Haïti. Haïti qui veut jouer un match avec Miami, équipe de Miami United, match avec Aswea. Et puis il y a tout le 20, Haïti a joué un autre match, dernier match avant d'y aller Houston, Texas. Et la plus dernière match a joué contre Trinidad et Tobago. Nous rappelons que qui par chance, hein, Trinidad et Tobago qualifié à participer dans la Coupe de CONCACAF là directement. Après Nicaragua, Ali est un joueur pendant 8 matchs, un joueur qui parle de nationalité nicaraguayen, et on met des soupirs pendant 8 matchs. Donc, comme conséquence, Nicaragua perd du place de gagner dans la Coupe de CONCACAF, que j'ai qualifié pour des joueurs. Ensuite, il est descendu dans la deuxième division, c'est-à-dire c'est dans la Ligue B, qui est là. Et dans la place, c'est une date qui monte, il est même après la rencontre aux États-Unis, qui même dans le même groupe aux États-Unis, et
tribunal de Cour d'appel des États-Unis le 2 juillet, ma s'est déroulé dans Charlotte, dans Caroline du Nord. Et Section nationale de football féminin haïtien à Paris a commencé à entraîner. Donc, je vais réunir là, mon côté en Suisse. Et c'est à partir du 19 juin, Section nationale de football féminin américain haïtien a commencé à préparer. Et puis, il y a une équipe Qatar là, qui est Jamaïque. Abdi Qatar, c'est le premier adversaire que Haïti a pas côté dans la Coupe de CONCACAF là. Et il choisit une équipe qui poi, qui est dans la même région, qui a presque le même style de jeu avec Haïti. Donc, l'équipe Qatar a tapé 2-0. C'est juste un fait match à l'équipe jamaïcaine et marqué goal pour réduire le score. Là. Et puis, qui s'est encore pour le jeu, qui conduit à ça tout le Haïti et tout, qui conduit à ça tout, tape sur le match amical, tout, il perd le match amical. Là. Donc, il n'y a pas de tout. Donc, Haïti, seulement entraîné. La seule victoire qu'Haïti a remportée dernièrement, là, c'est face à l'équipe Saint-Kitts-et-Nevis. Ce n'est pas une équipe qui représente gros poids dans le balance pour Haïti et dans la zone. Non. Mais quand même, Haïti a calé. Donc, Haïti va face à Miami United. Ensuite, elle a rencontré avec Trinidad, qui sont l'autre adversaire qu'Haïti. Tout est prêt pour que ce soit avec elle dans la zone. Eh bien. Je demande permission, je dis Barbara Saint-Louis, bonne fête. On l'a tombé dans un moment hier. Je ne dis pas rien, je ne vais pas faire aucune nouvelle, je ne vais pas faire aucune annonce. Mais comme il est tombé dans un moment, dans un moment, eh bien, Barbara Saint-Louis, bonne qu'il a joué. Yeah. Bonne qu'il a joué, mais je dis bonne fête et je dis en pile l'autre année encore. Parce que c'est bon, c'est grand, on sait quand en plus. Et que bon Dieu conserve vieux pour vivre encore. On l'autre 50 ans encore, ou bien on l'autre 60 ans, ça fait un pile bagaille. Et puis l'autre ami qui a célébré tout anniversaire jeudi, ou bien que c'est l'anniversaire hier, ou bien demain, ou bien pendant le week-end. Même si une toute bonne fête. Je dis à ce week-end, pas oublier. Si on conduit, pas consommer alcool. Si on consomme alcool, pas conduit. Nous avons besoin d'après-midi dans le journal radio sur télévision. Passez bon après-midi tout le monde. Bon week-end.